Bien, salut à toutes, salut à tous. C'est JPS donc pour une nouvelle vidéo sur Windows. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment supprimer vos photos en double grâce à un logiciel. C'est parti. Donc d'abord, vous devrez aller dans le gestionnaire de Windows. Mais pour ceux qui ont déjà le logiciel, vous n'avez pas besoin d'aller. Pour ceux qui n'ont pas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc en fait, le logiciel s'appelle Panoptic. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien de Panoptic dans la description. Et du coup, vous cliquez sur le lien, je vais vous le mettre dans la description. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes, puis voilà. Mais du coup, ce que moi j'avais, j'ai mis une vidéo. Je crois, c'est. Bon, je sais plus quand c'était, mais je sais, j'ai mis une vidéo. J'ai fait un niveau de Geometry Dash. Donc, un jeu pour téléphone. Donc, voilà. Donc pour ma part, je vais installer le logiciel. Donc vous faites double clic, vous faites exécuter ou vous faites oui. Donc pour ma part, j'ai exécuté. Après, vous faites oui. Vous choisissez la langue, donc moi je donc faut choisir français. Voilà, donc là on arrive sur l'assistance d'installation de Panoptic. Donc là c'est la version 0, là c'est la version 5.0.1. voilà, donc vous faites suivant. Donc il va s'installer dans le disque dur système, donc le disque dur c'est programme file Panoptic. Suivant, vous cochez créer une icône sur le bureau. Suivant, voilà. Donc là maintenant, Panoptic s'installe. Donc là d'abord, il est en train d'installer les fichiers. Désolé. Donc là d'abord, il installe les fichiers. Voilà, donc dès qu'il a fini d'installer les fichiers, après il doit créer les raccourcis. Oui, quels sont les raccourcis? Donc les amis, on va se dire à tout de suite. Donc les amis, me revoient. Donc voici l'interface de Panoptic. Donc ici vous cliquez sur affichage double. Après, si vous cliquez sur le dossier, si vous laissez assurer un peu dessus, vous allez voir un texte. Si vous cliquez sur choisir un répertoire d'images, donc là faut attendre. Attendez, je vois bibliothèque images. Logiciel. Donc là, dès que c'est fini de choisir votre dossier, vous faites ouvrir et vous cliquez ici sur le bouton bleu. Donc là, ça a tout analysé. Et vous voyez, là, il me trouve des photos en double. Vous êtes d'accord? En fait, là, je veux savoir, tout va être dépassé vers la corbeille. Vous cliquez sur la petite corbeille, vous cliquez sur OK. Donc là, il faut attendre. Voilà. Vous faites ça pour toutes vos photos en double. Donc voilà. Vous fermez. Et il faut vider la corbeille. Vous voyez, il faut vider la corbeille. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc,
abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez et aimez la vidéo. Bon allez, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!